Merci. Le 886, monsieur Ney. Merci, Président. Cet amendement qui va dans le sens de l'amendement 778 présenté par la collègue. J'ai compris qu'il restait plus beaucoup d'argent. C'est un amendement plus modeste. Qu'il s'agit de créer un fonds spécifique, un fonds d'amorçage pour encourager les projets de décarbonation des mobilités dans les territoires ultramarins. Je rappelle quand même rapidement que le 16 juin 2023, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains. Si le développement de telles infrastructures de transport est attendu pour décarboner nos mobilités quotidiennes et offrir une solution à la voiture individuelle, aucune mesure législative n'a été votée en faveur des territoires ultramarins. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Avis favorable. Passons au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté.